Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Razus et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur FIFA Ultimate Team. J'espère que vous êtes prêts les amis. Aujourd'hui on est parti, on va commencer cette division 9. On va espérer la remporter, remporter le titre hein, tout simplement. Si on pouvait faire 5 matchs, 5 victoires, je vous rappelle donc qu'il nous faut... alors attendez, de mémoire c'est 14 points pour remporter le titre de cette division. 14 ou 13 points, je ne sais plus, enfin bref. Il nous faudra donc plus de 4 matchs, il nous en faudra au moins 5 victoires pour remporter cette division. Ce qui veut dire qu'il y aura soit un épisode avec un seul match, soit un épisode avec 3 matchs. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Eh bien écoutez, on est parti et puis ne vous étonnez pas si jamais je n'ai pas encore appliqué vos retours. C'est simplement que actuellement l'épisode 2 à peine est sorti, donc du coup je ne sais pas forcément tout, j'ai juste envie de continuer à tourner, à avancer dans FIFA. Et bien nous voilà face à un adversaire les amis, voyons voir un petit peu, attendez je vais vérifier ça, latence vite fait. Bon ok, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas trop mal. On est parti, du coup il veut jouer en noir, moi j'ai que le rouge et le bleu. Bon allez hop, voilà, je pense que là comme ça c'est pas mal. Écoutez, on est parti, voyons voir un petit peu son équipe, qu'est-ce que ça va être, sur quoi on va tomber. Ok, c'est pas une équipe qui va nous faire très très peur. Enfin, je ne connais pas trop les statistiques. Ah, il y a... C'est Subotic, je crois, le défenseur central. Rare. Enfin, il a quand même... Enfin, il a un bon collectif, il a une note 79. Donc ça risque de pas être trop mauvais non plus, quoi. Mais je pense qu'on a de quoi rivaliser avec notre BPL, du coup. Écoutez, on va voir ça. Et puis j'espère que tout se passera bien. Allez, bienvenue à Nguyen Park, les amis. C'est notre nouveau stade, du coup, oui, parce que j'ai dû changer un stade, un maillot, j'ai dû appliquer un élément style, je sais plus, enfin plein de trucs, pour obtenir le pack gratuit de tâches de manager. Allez, voyons voir un petit peu comment ça va se goupiller ce match. Non, mais c'était pas vers là que je voulais l'envoyer, c'est pas du tout vers là. Et évidemment, mon défenseur qui s'écarte. Heureusement, Mignolet, suivez bien. Allez, pour Arteta, Arteta qui va pouvoir attendre que Dyer parte, s'il veut bien. Ah non, une petite faute, c'est pas mal ça aussi. Surtout, ça donne lui un carton, un joli petit carton jaune sur son défenseur. Ouais, sur son défenseur central, écoutez, ça c'est pas mal. Alors, voyons voir Arteta, il a combien de puissance de frappe. Ouais, bon, on va dire que c'est pas mal. Et on va essayer de le jouer comme ceci. Non, c'était pas assez bien... C'était pas assez bien joué, je pensais vraiment qu'il allait la décaler un peu plus. Enfin, qu'il y aurait moins d'effet. Mais bon, tant pis. Alors attention, ça peut lui donner une bonne occasion de but, ça. Voilà, allez. Non. Là les couilles où mes joueurs se mettent devant et gâchent et redonnent la balle à l'adversaire, c'est bon, j'ai assez donné avec ça. S'il vous plaît. Ouh, la jolie faute avec un petit carton à la clé. Rouge, ah ben voilà, c'est génial. Écoutez, je pense que si ça continue, enfin vu comment il a l'air excité, je sais même pas si on aura besoin de marquer un but. Je pense qu'il peut facilement se prendre 4 rouges dans le match. Voilà, allez, encore une petite faute, c'est génial. Allez, donne-lui la balle, merci. Hop, petite passe derrière, voilà, on va prendre notre temps. Lui, il a l'air d'être bien pressé. Ok, super interception. Enfin, lui, il sait pas faire des passes, apparemment. Allez, super pour Dyer. Est-ce qu'il va sortir son gardien? Non. Allez, c'est pas grave. Ballon en retrait. Évidemment, c'était une frappe de merde. Une frappe vraiment de merde. Voilà, j'ai loupé mon centre, en plus. Allez, Arteta, si tu peux la prendre, superbe. Non, mais allez sur la balle. Qu'est-ce qu'il fout? Putain, j'ai appuyé sur la touche de passe, là. C'est dingue. Bon, merci de me la rendre, hein, du coup, mais... Hop là, allez, on le fait vraiment tourner dans le vide. Ballon, pour Rondon, c'était pour Rondon. Pourquoi tu la mets à 20 mètres derrière? Ça sert à rien. Ça, c'est un truc qui me gonfle. C'est la mi-temps ici. 0-0, j'ai pas du su... J'ai fait des frappes, j'allais dire que j'avais pas su en faire une seule. Alors oui, il y a eu un coup franc, il y a eu quoi d'autre? Je ne sais plus, en tout cas 4 tirs, 4 cadrés, je ne sais pas par quel miracle. J'ai vraiment l'impression de ne pas réussir à jouer. Superbe dégagement du défenseur, je ne sais plus qui c'était. C'est pas grave, allez.
Hop là, stop and turn, super. Allez, pour Dyer, magnifique. Dyer qui va pouvoir y aller avec sa vitesse. Et c'est le but. Ouh. Quand même, enfin, à 11 contre 10, on arrive à avoir une action. Là, je me doutais qu'il allait revenir sur moi, donc du coup, j'ai pris mon temps pour faire mon petit râteau et remettre Dyer sur son pied droit. Je pense pouvoir dire, sans trop me vanter, que c'était une bonne idée. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à maintenir cette avance ou peut-être même la croître? Ça serait peut-être bien, ça aussi. Ok, je sais pas comment j'ai fait ce geste technique, mais je l'ai fait. Hop là, petite roulette et frappe, s'il veut bien. Et non, c'est sort, d'accord. Ouais, Bolasi, j'ai vraiment un problème de finition avec lui. Hein. Je sais pas vous, si c'est votre cas également. Mais moi, j'ai vraiment un problème de finition. Qui est encore une fois mon joueur qui laisse passer la balle. J'ai pas compris le délire. Et d'ailleurs, qui va la remettre derrière. On va jouer tranquille. Fernando, c'est pour toi. Fernando pour Bentaleb. Bentaleb pour Bolasi. Non, c'était pour Bolasi, mais c'est pas grave. Allez, frappe. Et voilà, but. Ok. C'est à croire qu'à chaque fois que je me trompe de direction, là pour le coup je l'ai vraiment vu que je m'étais trompé de direction, c'est pas le jeu qui m'a assisté. Je réussis à marquer à chaque fois que je me trompe en fait, je crois que c'est ça. Enfin pas à chaque fois. Mais... Sinon ça serait un peu trop simple, je me tromperais souvent entre ce que je dis et ce que je fais. Allez, petit ballon pour Rondon, qui va peut-être faire partir Bolasi, non? Non, Bolasi veut rester sur place. Allez, pour Bentaleb alors. C'est parti, fin de frappe. Petite passe et but. Et voilà, 3-0. Allez, est-ce qu'il va rush quit? Est-ce qu'il va rush quit? Parce que bon, à 3-0, vu son caractère au niveau des tacles, je pense qu'il peut... Il va peut-être pouvoir quitter le match un peu plus tôt que d'habitude, non? Non, il veut pas. Non, toujours pas. Hop là. Ah, dommage. Je pensais... Oula, mon joueur est un petit peu blessé, je crois. Fernando qui va pouvoir la remettre sur Abdulrahman Baba. Attention, allez, attention. Ce serait bien qu'on puisse la garder, cette balle. Je comprends jamais pourquoi mes joueurs n'arrivent pas à la garder. Si vous avez une astuce sur FIFA pour quand on court, alors ne me dites pas d'appuyer sur L2, parce qu'une fois sur deux, moi, ça sert jamais à rien, en fait. Peut-être que j'arrive pas à m'en servir, mais voilà, ça ne marche jamais. Non, c'était pour Bolasi. Même s'il est blessé, je sais qu'il est blessé, mais non, c'était pour lui quand même. Allez, pour Rondon. Rondon qui va pouvoir faire partie dans le vent son défenseur, le deuxième, et il va pouvoir marquer peut-être. Non, d'accord. Ok, bah écoutez, bon, ouais. Un adversaire pas très très... Enfin bon, après, il a joué à 10 pendant toute la rencontre, quasiment, mais bon, voilà, c'est un peu de sa faute aussi, quoi. Il a fait un très gros tacle dès le début du jeu, pour rien du tout. Hop là, allez, passe en profondeur pour Bentaleb, sans le faire partir. Pareil pour Bolasi, superbe. Allez, on est seul face au gardien, est-ce qu'on va réussir à marquer? Petit lob? Non, c'était trop... C'était pas assez incliné. Allez, Bolasi, c'est parti. Est-ce qu'il va réussir à se débarrasser de son défenseur? Et non, par contre... Ballon pour Fernando, ok, allez hop, pour... Non, c'est dommage. Ouh, super, son défenseur qui s'est chié. C'était ce que je voulais faire. Hein. Je voulais juste que la balle parte directement dans les pieds de Dyer. Mais du coup, au final, ça nous a pas mal arrangé. Hein. La petite talonnade qui se loupe, là, du coup, même le défenseur est surpris, écoutez. Allez, bah écoutez, tant mieux pour nous. Rondon qui aura fait deux passes décisives dans ce match. Bref les amis, 4-0, un match où on n'a pas été inquiété, je crois. Je suis pas sûr qu'il ait fait de nouvelles frappes. Je suis pas sûr qu'il ait fait de frappes réellement dans cette deuxième période. On n'a pas été trop inquiété. 1600 crédits en poche, c'est un très bon départ. Ouais, c'est bien ça. 58% de possession de balle. Il n'a pas fait une frappe de la seconde depuis la seconde période. Voilà. Allez, on va partir pour notre deuxième match. Et c'est bien ça. Hein. C'est 13 points pour le titre, et donc du coup il nous faudra au moins 4 victoires et un match nul, ce qui veut dire qu'il faut au minimum 5 matchs. Et donc les amis, c'est le moment tant attendu. Alors on a un joueur sans contrat et un joueur blessé, on va partir avec notre équipe do Brasil, et on va espérer du coup que ça se passe bien pour notre premier match contre un autre joueur. Alors du coup,
Allez, non, on va dire que non, on va dire qu'on part comme ça. Écoute, ah oui, je vais juste prendre quelques instants pour gérer les instructions des joueurs. Donc toi, par exemple, tu ne vas pas toujours vers l'avant, tu restes derrière en attaque. Et voilà, toi, je veux que tu reviennes pas en défense, je veux que tu restes devant. Pareil pour Bernardo. Bernard ou Bernardo, je sais plus. Bref, voilà, comme ça, du coup, on espérera que nos milieux offensifs redescendront moins. Et que notre Adriano montre un petit peu moins, peut-être. Je vérifie que, ouais, Jean-Louis César n'ait pas de coup franc ou autre à faire. Bref, on est parti, les amis, pour ce deuxième match. J'espère que ça va aussi bien se passer que le premier. Ok, les amis, nous voici donc face à notre premier adversaire avec notre équipe brésilienne. Voyons voir un petit peu ce qu'il va nous réserver. Eh bien, écoutez, c'est une BPL avec avec deux joueurs dont on ne sait pas d'où ils viennent. Le collectif n'est pas franchement au rendez-vous. Il n'y a pas de gros joueurs. Alors il y a Les Scott qui est un bon défenseur parce qu'il est assez grand. Il y a Wijnaldum mine de rien qui peut faire de gros dégâts. Mais je pense pas que. Enfin, après niveau collectif, ça fait pas trop peur. On ne sait jamais, encore une fois, ça reste du football. Il n'y a aucune règle absolue. Enfin du football, une simulation de football. Donc il n'y a jamais aucune règle absolue là-dedans. On va voir un petit peu comment ça va se présenter. Hop là. Rafinha 4 étoiles, geste technique. Très très intéressant pour Damiao. C'est parti, frappe enroulée. Et dommage, 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 dommage. J'aurais peut-être dû me décaler. J'aurais peut-être dû prendre un petit peu plus d'angle encore pour vraiment le faire une frappe enroulée et pas juste une frappe placée. Allez, super. Tyson qui va pouvoir récupérer la balle. S'il peut. Ok, il a voulu tenter le centre. Et évidemment, notre joueur qui recule alors que bah, du coup, on perd la balle, quoi. Simplement. Et encore une fois, voilà Tyson qui a pourtant un rendement offensif élevé se retrouve en position de défenseur alors que je l'ai bien évidemment mis. Je vais bien évidemment pas demander de redescendre. Enfin, je vais même carrément demander de rester devant sur le terrain. Non, pourquoi ils font toujours au deuxième rideau? Pourquoi ils peuvent pas faire la passe au premier joueur qui est devant eux? Allez hop, Bernard qui est rapide, il va pouvoir centrer pour Damiao. Poum, 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 magnifique le petit centre, la frappe qui va bien. Oh c'est beau ça, oh c'est beau. C'est beau ces reprises de volée. Je m'attendais à ce qu'il place une tête plongeante, mais non, 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 une reprise de volée. Écoutez, ça fait plaisir quand ça se passe comme ça, un contre, quand c'est très bien. Quand ça se passe comme ça, c'est tout bonnement du bonheur, c'est du bonheur. Allez, 1-0, on va essayer de ne pas s'en prendre un parce que pour le moment c'est quand même lui qui domine, il faut pas se voiler la face. Allez, super, une super interception, il a voulu trop rentrer à mon avis, il aurait peut-être dû tenter de centrer ou je sais pas trop. Allez, un des gros avantages de cette équipe c'est que tous les joueurs offensifs et même certains joueurs défensifs comme Rafinha par exemple ont 4 étoiles de geste technique, ce qui veut dire que grosso modo, on n'est jamais. Enfin, si à un moment on veut dribbler, on peut partir dribbler. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Damiao qui se retrouve sur l'extérieur. Voilà, typiquement, ça, ce geste-là, tout le monde pourra le faire. Hernanes qui va pouvoir frapper. Non, dommage, dommage. Il a été contré. J'aurais peut-être dû patienter là. J'aurais peut-être dû apprendre de mon adversaire qui m'a rendu ridicule lors du match de compétition du bouclier des champions que j'ai tenté lors du dernier épisode. J'aurais peut-être dû patienter, utiliser la touche pour arrêter ma course à ce moment-là. Et là, on va en prendre un. Là, on va en prendre un parce que... Bon d'accord, il a pas encore compris que c'était frappe en finesse qu'il fallait utiliser et pas frappe en force sur ce FIFA. Super Mariano, la récupération et heureusement que ça siffle parce que là il y avait une action de but pour lui s'il récupérait la balle. Écoutez, pas beaucoup d'action, 3 frappes chacun, moi j'en ai fait 2 cadrés, lui que 3, enfin lui 3 donc 100%. Par contre j'ai un peu plus de possession de balle et évidemment j'ai un but d'avance donc on va continuer comme ça j'espère. On va juste essayer de poser encore un petit peu plus notre jeu parce que vraiment, on s'expose trop facilement à des contres. Beaucoup trop facilement. Hop là. Oh, d'accord. J'ai pas compris pourquoi. Là, typiquement, j'aurais bien aimé changer de joueur et prendre la balle avec Damiao. Parce que du coup, voilà ce que ça fait. Hop là. Petit ballon, tranquille. Allez, Tyson, tu peux l'avoir, tu peux passer. Yes, il est passé en vitesse contre Mané quand même, hein, mine de rien, qui n'est pas très très lent non plus. Le petit geste technique, le deuxième, le troisième, est-ce qu'on peut... Et, ah, oh, punaise, après avoir éliminé 3 joueurs,
enfin on va dire 2,5 parce que sur le troisième il a taclé vraiment un peu tout seul dans le vent. Mais après avoir éliminé tous ces joueurs, j'aurais espéré un petit peu mieux au moins qu'un poteau peut-être, je sais pas, un ballon qui ressort. Allez, une tête, tant pis, une tête mal placée, bon c'est pas grave, ça fait quand même... C'était une belle action, c'était une très très belle action. Comme je vous disais, c'est vraiment une équipe avec laquelle je prends énormément de plaisir. J'ai fait qu'un seul match pour le moment, mais c'est vraiment une équipe avec laquelle j'ai pris énormément de plaisir à jouer. Allez, petite frappe d'Hernanès qui est contré mine de rien, parce que voilà, faut pas déconner non plus. Et là on se fait plaisir à vraiment moindre coût, hein. Je vous ai montré les prix, vraiment il y en a très très peu qui dépassent les 1000 crédits. Alors après je suis sur la version PC donc c'est peut-être pas forcément les mêmes prix pour vous si jamais vous êtes sur console. Hop là, petite passe pour Damiao s'il veut. Ah non, c'était Hernanès, d'accord. Oula, la fin de frappe qui est passée. Je la voyais dedans là. Je la voyais dedans. Il m'a fait une petite frayeur là, le Hernanès là, il m'a. Hop, ballon pour Fred, non, c'est d'accord. Même ce genre de passe là, ça passe pas. C'est dingue, les joueurs les loupent. Alors, je suis également celui qui dirige mes joueurs, donc c'est également ma faute, faut pas l'oublier, mais quand même, il y a des moments où on se demande ce que fait l'automatisation du jeu. Bernard part, là c'est le moment où tu dois partir, mon grand. Voilà, comme ça. Hop là, et une petite frappe de Rafinha, et ça rentre. Qui nous a permis de dépasser le défenseur, c'était exactement ce que je voulais faire. Celui-là également, j'ai du mal à le passer. Enfin, j'ai du mal. Une fois sur deux, il me fait un Ronaldo Shop, alors que c'est celui-là que je veux faire. Le Ronaldo Shop qui a vraiment du mal à passer sur ce FIFA 16, je trouve. N'hésitez pas à me dire si jamais. Enfin, qui a du mal à passer, qui est vraiment beaucoup moins efficace, quoi, que dans FIFA 15 notamment. Eh bien écoutez, 2-0 les amis, j'espère que cette équipe de Brésil vous plaît. Pour ma part, je la préfère de très très loin à notre équipe de Barclays Premier League. Enfin, on l'a vu quoi, je me suis littéralement amusé avec cette équipe. Je pense que ça se verra dans la vidéo, il y a eu énormément de dribbles réussis aussi, c'est pas mal. Enfin voilà quoi, et puis on a eu un adversaire un petit peu plus résistant, on va dire, enfin, même si c'était pas à la joie non plus, que le précédent. Écoutez, on va s'arrêter là et puis j'attends avec impatience vos retours. Bref, donc n'hésitez pas à me proposer des joueurs pour les deux équipes, n'hésitez pas à me proposer des équipes carrément, pourquoi pas, si jamais vous en avez. Et puis n'hésitez pas non plus, c'est quelque chose que je vous ai pas dit beaucoup, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter et Facebook, les liens sont tout en bas de la description. Non, ils sont pas tout en bas, ils sont au milieu de la description. Donc vous ouvrez la description et vous trouverez les liens assez facilement. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook. Et puis voilà, pour avoir pas mal de news et puis des conneries aussi, beaucoup de conneries sur Twitter. Bref, du coup, on se retrouve très rapidement pour la suite de nos aventures sur FIFA Ultimate Team. Et d'ici là, les amis, prenez soin de vous. Bye.